Eh bien salut tout le monde, salut à tous, c'est Percy, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau live en compagnie de plein de personnes. On a Numéro, on a Auron, on a Fab, on a Gina et on a Kova. Pour putain, je me casse. Mais j'ai dit on a Auron, t'es sérieux ou quoi? Non, tu l'as pas dit. Mais si, je l'ai dit. Bref, on s'en fout. Aujourd'hui, on se retrouve pour un Fallen Kingdoms. Je vais répéter les règles qui ont été déterminées pour cette game. Les conditions de victoire, comme à chaque fois dans les Fallen Kingdoms, l'ensemble de l'équipe doit se trouver dans la salle des coffres adverses et la contrôler pendant une minute. Les objectifs secondaires qui devront être réalisés pour pouvoir attaquer, c'est une muraille de 4 de haut minimum, sans obsidienne. Il faudra également adopter un ocelot, donc c'est les chats. Je vous dis, normalement Numéro, tu dois savoir comment on fait, je pense, oui. Pour ton équipe. Ouais, ensuite, il faudra construire un temple maya d'environ 10 blocs sur 10. C'est obligatoire. Donc, si vous savez pas à quoi ressemble un temple maya, je vous propose d'aller regarder sur internet à quoi ça ressemble. Vous tapez temple maya, vous trouverez. Une fois un objectif validé, plus besoin de le refaire si ce dernier venait à être défait. Donc, c'est-à-dire que si nous on attaque, on détruit votre temple maya, vous aurez plus besoin de le refaire pour pouvoir nous attaquer. Le PVP est activé jour 3, donc les jours c'est toutes les 20 minutes. Le Nether est activé jour 5, donc vous n'avez pas le droit d'aller dans le Nether avant. Il y a un portail du Nether au milieu de la map, vous n'avez pas le droit de créer votre propre portail du Nether. L'assaut est activé jour 6, vous n'avez pas le droit de faire un assaut avant. L'attaque par les arbres et les collines sont interdites, mais l'espionnage est autorisé. L'attaque par Underpearl est interdite. La salle des coffres peut être jusque 20 blocs en dessous de sa base ou au-dessus de sa base. C'est obligatoire que l'on puisse y accéder sans casser ou poser de blocs. Obligation de détruire la muraille et les lits avec de la TNT ou les creepers. Les blocs que l'on peut poser à l'extérieur de sa propre base sont les TNT, la torche de redstone, les panneaux, les seaux d'eau et de lave et les underchests. Il est interdit de poser l'eau et la lave dans la base adverse. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on se lance? Qu'est-ce que tu fous dans un trou? M'écoute pas. Est-ce que ça a servi à quelque chose tout ce que je viens de dire là? Ouais, ouais. Ok, go. Ok, c'est parti. Je peux faire le maître du jeu, s'il te plaît? Comment ça, le maître du jeu? Qu'est-ce que t'entends par maître du jeu? Ok, c'est parti, les gars. Pas de temps à perdre, hein, parce que là... Ouais, allez, go, c'est parti. Là, clairement... Bienvenue pour cette saison de Fallen Kingdom avec Percy et plein de gens. Que tu ne connais pas. Ça me fait plaisir de t'entendre, Fab. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas game tous les deux. Bah ouais, parce que de toute façon, il faut encore qu'on finisse... ce qu'on n'a pas fini, Gauntlet. Bien sûr, on l'avait fini. Ah oui, on n'avait pas fait les trucs secondaires. Ouais, on avait fini le jeu, mais on n'avait pas fini... Ouais. On verra ça. Bon, je suis désolé si j'étais un petit peu en mode speed, là, mais c'est vraiment... Ça m'avait saoulé. Non, t'inquiète, pas de soucis. J'ai fait plus vite, de toute façon. Non, mais merci à toi, hein, franchement. En plus, t'as pas mangé. Je suis désolé. Non, je vais manger à minuit, ça va être génial. Ok, donc, bon, comme j'ai expliqué un petit peu les règles, hein, tout à l'heure, comme vous avez pu voir, toutes les règles sont écrites en bas de Twitch, si vous voulez les voir. Ça change un petit peu de ce que je propose d'habitude, hein. Toute la semaine, on a fait du Red Dead, là, on se retrouve sur Minecraft. un peu différent. Du coup, les mines sont totalement... Putain, par contre, je saute automatiquement, c'est quoi cette merde? Ouais, je l'ai enlevé, le truc, c'est que j'ai changé toutes mes touches et je suis tellement pas habitué. Ok. Les mines sont faites spécialement pour du FK. Il me semble que c'est une map qui a été utilisée pour une saison de Fallen Kingdoms de Sifano ou je sais pas quoi. Ouais, donc, pour les avoir vus, je m'en souviens pas. Donc voilà, donc c'est pas nous qui avons fait la map. La map appartient... Enfin, elle a été donnée librement, mais voilà quoi. Bon, pour expliquer. Donc alors, okay. J'avais une idée de forteresse, honnêtement, j'avais une idée de forteresse, et finalement, ça a l'air d'être bien de la merde, mon idée, parce que on peut pas gérer le... Comment dire? On peut pas gérer les coins, en fait. Et du coup, ça pue la merde, parce que du coup, ils peuvent mettre des TNT dans les coins, donc c'est pas ouf. Ah, mais vous avez déjà fait une table de craft. Bah, okay. Attends, on avance, regarde, non, mais je vois ça.
Hop. T'inquiète, j'ai déjà dû faire. Sérieux? J'ai oh, posé bien. Deux coffres en haut. Bon, on est dans la dernière version du jeu, ce qui est plutôt intéressant parce que. Déjà, moi, j'ai jamais quasiment joué dans la, dans la bah, dernière moi, version du jeu. Oh, pas du tout, donc à voir qu'il y a des nouveautés. Comparé à la. Oh, ouais. Toi, il me semble. 11 pouces. Ouais, ouais. Comparé à, aux premières versions du jeu, tu verras que, en gros, t'as un comment ça s'appelle ? T'as un countdown quand tu tapes en fait. Ouais, ça je sais pas, je connais. Et tu peux mettre aussi un bouclier. Ça, faudra pas oublier d'en prendre des boucliers. Je pense que c'est pas chiant à faire. C'est pas chiant à faire et ça. Ah non, c'est juste un lingot de fer. Ouais, voilà, exactement. Moi, ce que je voulais faire, du coup, pour commencer, c'est éviter. Mettre de l'eau en fait tout simplement dans devant notre base devant notre base et en fait le truc c'est que on va mettre des comment ça s'appelle des torches tout simplement on va mettre des torches de redstone en dessous comme ça quand ils poseront des blocs et ben ça va exploser automatiquement et derrière notre muraille on va mettre des leviers qui seront activés nous permettront en fait de quand ils vont poser leur TNT sur notre muraille, ça va tomber dans l'eau automatiquement, tu vois. Et quand la TNT explose dans l'eau, ça fait zéro dégâts autour, tu vois. Ouais. Donc on va faire ça dans un premier temps. Chercher la bouffe. Hein. Ouais. Vas-y, va faire ça. Un canot à TNT, quoi. Si voilà, exactement. Et le truc, c'est que j'ai testé de faire 2-3 trucs, genre de faire couler de l'eau sur la muraille, comme ça pour éviter qu'ils rentrent dans notre base. Mais ouais. ça fonctionne pas parce que du coup ils peuvent monter. Monter quoi. Ah bon, faut que vous gagniez. Tu mets des blocs sur la map, tu vas voir. Yes, merci Rémi, merci. Salut, je suis désolé, j'ai vu que tu. Par contre, je fais rien là, je parle, mais je branle que dalle. Ouais, moi je crois que j'ai récupéré le fer en bas. Et, ouais, moi je vais récupérer de la pierre parce que dalle. Alors faites gaffe à pas tomber, hein, les gars, parce que clairement c'est le truc. Ouais mais ça va, on a de la régène, donc c'est pas comme si on était en ultra hardcore. Ouais voilà, c'est que on a déjà fait des saisons avec Numéro où on était en ultra hardcore et bah c'était ultra dur quoi. Ouais bah ouais, tout simplement. Tout simplement. Alors le truc qu'il va falloir faire principalement, ça va être de creuser à mort. Parce que quelqu'un a du charbon histoire de créer une torche minimum. Non. Sinon tu peux faire du charcoal, tu fais un deuxième four, tu fais fondre du ah ouais, bois. Ah pas bête, pas bête, pas bête, pas bête. Faire ça. Et là, il y a 21 de fer qui sont en train de chauffer. Hein. Voilà, par contre, vous devez absolument rien voir hein, sur le live. Là, je suis dans le noir, je suis dans le néant. Moi, je suis en train de record, mais du coup, je suis pas en live. Mais bois de sapin, hop. Ça. Est-ce que j'ai suffisamment? Yes. Hop. On va se faire un four pour faire. En fait, avec Optifine, ce qui est bien, c'est que tu peux activer les Dynamite Light. Je sais pas si tu vois. Ça, c'est tellement bien, ouais. Ça. Et en gros, t'as juste à prendre une torche dans ta main droite ou ta main gauche, ça dépend ouais, comment ça, tu ça joues. Et ça t'éclaire autour de toi, en fait. C'est juste le feu. Trop bien. Comme ça, t'as même pas. Après, le problème, c'est que les mobs, ils spawnent tout le temps, quoi, parce que tu t'empêches pas le spawn des mobs. Ouais. Moi, ce que je ferais bien, c'est directement aller les faire chier, tu vois. Tu peux aller les faire chier maintenant? Ouais. Franchement, je fais-toi peut-être une épée en fer déjà pour commencer. Non, pas une épée en fer, faut y aller avec une épée en bois. Sinon, Le PVP, c'est à partir de quand? Ouais, c'est à partir du jour 3, mais c'est pour ça. Moi, Ok, j'ai les grottes. Allez, bah, nickel, vas-y. Moi, je veux des poulets, mais le truc. Alors, il va falloir qu'on capture un oslot. Ça, c'est quelque chose. Va falloir aller pêcher, va falloir créer une canne à pêche, va falloir faire plein de trucs. Là, je vois, il y a un poulet, donc je vais le capturer, je vais le mettre dans mon trou. Allez, vas-y, va dans mon. Non. Tu veux faire quoi du poulet? Mais non, pour faire des plumes, pour un arc. Il y a plein de choses avec un poulet. Bah ouais. Il n'y a plus l'arc. Oh, l'arc, ça va être vraiment. Vraiment, je suis tombé dans le trou avec le poulet. Je suis tombé dans le trou. Un arc, c'est tellement essentiel dans les FK. Ouais. Alors, je vois un mouton également. Je sais plus ce que ça mange. Il faut des lits, hein. C'est plus que ça mange. Moi j'en ai. T'en as du blé, non? Du blé? Ah putain, j'ai pas de blé. Je vais faire une. T'as du fer? Je vais directement aller chercher de l'eau. Non, je sais ce que je vais faire. Je vais chercher de la canne. J'en ai. Ah bah putain. On est tellement trop OP là. Il y a personne. Il le boss quoi. On gère tous les deux là. Moi je suis en train d'activer. Non, je fais rien.
C'est avec Billy et qui du coup. Alors, on est avec Fable Goron, qui est un ami de longue date. Une torche. Je t'emprunte un. Je t'emprunte du fer, je te mets le reste dans le truc là. Hein. Je te mets un charcoal. Voilà, comme ça. Tu veux une torche pour ta dynamic light, tiens? Oui. J'ai foutu derrière. T'imagines, le mec, il tryhard juste pour ça, quoi. J'ai toujours pas d'épée, par contre, je vais m'en faire une. J'en ai une en bois, je t'avoue que c'est pas. Vas-y, pas je vous fais des trucs en fer, allez, vas-y, c'est parti. Ah, j'ai du charbon. T'as déjà pioché. T'as déjà pioché quoi? Pioche épée. Ok, nickel. Je nous fais deux épées du coup pour toi, Fab. Ok. Je vois vraiment rien. Ouais, t'as vu, c'est insane. Non, qu'est-ce que je fais moi? Il me faut. Ah, j'ai du lapis. On s'enchante. Oh putain, génial quoi. Hop, je fais du coup. De pioche. J'ai pas vu à quelle couche on était là dans la grotte en soirée. Je sais pas. Alors je t'ai mis une épée rapport. Et une pioche en fer. Ah, mais il y avait déjà une pioche en fer dans. Tant pis. Okay. Elle est où mon épée? Ah bah non, c'est la mienne en fait. Putain, mais je trouve. Je fais de la merde. Donc moi, tu me donnes une épée, c'est ça? Ouais, t'as une épée et une pioche en fer dans le coffre en haut. Okay. Vas-y. Ok. Moi, du coup, j'hésite soit à buter les moutons, soit à les ramener. Ramène-en. Ouais, bah du coup va me falloir un peu plus de fer. Ah bah non, c'est bon. Ok, tac. Putain, c'est vrai qu'il y a le mode ambidex, putain, j'avais oublié cette connerie. Ouais. Alors, je vais chercher de l'eau comme ça. Fais gaffe le zombie. Vas-y, occupe-toi-en. Même pas faire. Hop là, nickel. Il y a pas mal de trucs, hein, par contre. Fais gaffe, il y a des creepers et tout. Va falloir faire des torches pour éviter que les mobs y rentrent. Déjà. Enfin, qui spawn principalement. Oula, par contre, il y a des petits lags. Il est trop fort ce Billy là, tout, mais t'as vu ça, c'est incroyable. Incroyable ce mec. Incroyable. On a bien fait de l'avoir dans notre équipe. Ah ouais, on va gagner. Du coup, tu veux. Pour l'eau, tu veux combien d'espace? Déjà, faisons un. Oh putain, il y a Mass Mob. C'est moi ou t'es dans la merde? Non, par contre, ça lag à mort. Moi, ça lag, hein, on est d'accord. Ouais, tu rollback. Ouais, je vois, il y a des rollbacks. Du coup, tu veux quoi? Le mieux, ce serait peut-être de faire 3 de longue de largeur, non? Alors, pour l'instant, je vais en prendre qu'un. Ok, wow. T'inquiète pas, c'était géré. Attends, je vois, il y a un squelette là. Ouais, alors, 3. Ça fait quoi? 1, 2, 3, voilà. Ok, j'ai des os. On va pouvoir récupérer rapidement des trucs. Je vais me faire une faux. Ok, je suis en train de refaire les dimensions de la base. Yes. Alors, t'as vu un petit peu ce que j'ai fait de l'autre côté? Non. Ah bah, parfait. Bah, nickel. T'as fait de combien? De 3 aussi? Ouais, je crois, ouais. Ok, bah, parfait. 2. Donc, on est bon, fait alors. De combien, là, non? 1, 2. Ouais, nickel. Ok, nickel. Là, faut qu'on monte les murs, pour comme ça, on n'aura pas les mobs qui viendront nous emmerder, là. Qui c'est qui... Il est déjà mort, quoi. Hop. Je vais prendre un seul os, je vais utiliser un seul os pour faire de la bonne mille. Comme ça, si on croise des chiens, ça peut être énormément intéressant. Faut pas de la bonne mille, hein. Faut juste utiliser. Ah ouais, je sais, mais en fait, j'avais deux os. Du coup, j'en ai utilisé un pour faire de la bonne mille, pour directement prendre des moutes. Bon, d'ailleurs, ils sont là-bas. On s'est éclairé au final. Bah, si t'as des torches, je mets-en un peu au moins dans la base. J'en ai deux. Je te confirme. Parce que là, je vais pas avoir assez de cailloux. Elle est bonne là, elle est pas bonne là, on est d'accord. De quoi? On va attendre encore. Non, pas encore. Quand tu fais F3 dessus. Hein. Ah ouais? À droite, après... normalement, t'as marqué le statut. Je crois que c'est mieux, c'est 7, max. Les astuces. Ah ouais, d'accord. Du coup, bon, elle est pas bonne, donc faut attendre encore un peu. Du coup, j'allais chercher de la pierre en attendant. Bonsoir. Ouais. C'est Max. Alors Max, on est en retard? Veuillez m'excuser. Voilà, du coup on a trouvé quelqu'un d'autre pour te remplacer. Ouais, hein. Désolé, j'ai pris ta place. Non mais je m'en doutais. Merci, il était en panique, il était en mode. Gros, je suis allé au piquet, ok, je prends ma commande, machin, tout, je rentre, vas-y, on mange tous ensemble, mon frère, moi, ma femme et tout. Et là, je vais fumer. Et là, mec, il est 22h. Non! Mais pourquoi? Mais. Eh putain, mais j'ai oublié, mais j'ai un rendez-vous! Ah bah. Ouais, écoute. À 19h et 20h, je pensais à vous en plus. Ah ouais, bah tu vois, genre. Je pensais à vous moi aussi.
Quand j'ai vu que t'étais pas là, je peux te dire que j'étais en train de stresser, j'étais en mode putain, s'il faut annuler, je suis deg. Il a chaud. Ah ouais, non mais mec, j'étais pendant 20 minutes, j'avais Kova et tout dans les oreilles en train de rigoler, faire des conneries là, ça m'a saoulé. Attends, qu'est-ce que t'as fait là? Ah oui, ok. Ouais, c'est juste histoire de mettre. Je rappelle, hein, on peut pas poser de bloc à l'extérieur de la muraille. Donc, ouais, mais vu qu'on a 3 d'écart déjà, on est ouais, t'inquiète. Je mets. Attends, je peux pas dehors ? Si, si, oui, ça t'as le droit. Je mets quand même un bloc. Laisse un bloc à l'extérieur histoire de voir quand même où est-ce qu'elles sont les délimitations. Parce que sinon, après, on va se perdre. Pourquoi du coup tu veux que ta muraille soit plus intérieure que les délimitations ? En fait, parce qu'on va mettre, on va mettre de l'eau autour. Et des torches de redstone, enfin. Redstone, il y en a déjà un peu. Ah ouais ? Putain, mais ce mec. Ah ouais, tu. Bah écoute, pour l'instant, eux ils font plus que moi là. Moi je suis en train de réfléchir à comment faire les trucs et eux ils sont plus en train de réfléchir. Ils sont super. Et eux ils agissent en fait. Lui il réfléchit, nous on agit. C'est... Heureusement qu'il y en a qui agissent parce que franchement. Ouais, t'as vu ça. Bah, on va pas attendre après Percy, ça c'est sûr. Hein. Oh le bâtard. T'es sérieux ou quoi? Bim. Allez. Ok, c'est cadeau, c'est gratuit. Bah écoute, la prochaine fois j'inviterai quelqu'un d'autre. Il faudrait des pommes. Il y aura pas de retard, c'est tout. Ah, c'est grave ça. Ah, je... Ça trash talk. Ah, je tape sur tout le monde ce soir. Super, super, super. Mec, d'habitude, tu vois, j'ai du retard. Genre, allez, à tout péter un quart d'heure. Quoi. Voilà, ah, une heure. Ah putain. Non, mais. T'aurais pu vous inquiéter, j'étais peut-être mort quoi. Bah, je t'ai pas envoyé mass message peut-être. Si, un petit peu. Bah ouais. Voilà, donc je me suis inquiété, monsieur, il est peut-être mort. Non, en vrai, je me suis inquiété, j'ai dit, il fait chier, il casse ses couilles, quoi. C'est beau comme inquiétement, quoi. Bah ouais. Mais bon, c'était vrai. J'ai mort. Bon. Encore ? Mais qu'est-ce que tu fais ? C'est pas encore, c'est la première fois, s'il te plaît. Ah, y'a Rémi qui parle dans ton chat, Percy, il te strip talk. Mais non, il est pas dans l'autre team, Rémi. Ah bon ? Non. Ah bon ? Il y avait pas un truc pour connaître l'heure de, dans le jeu, là ? Une horloge ? Non, l'horloge, elle permet pas de faire ça. Hein. Sinon, c'est plugin. Rouvre ton F3, là. Vas-y. Ou F2, je sais plus. Non, c'est plugin. T'as pas l'air. T'as pas l'air. Ah bon, t'as même pas ton time 8000 ou je sais pas quoi là de... Non. Bon bah. Okay. Oh merde. T'as vu le nombre de sounds qui log à chaque fois qu'il pète un bloc là, y'en a 12 à péter. On a de la bouffe dans le coffre là-haut ou pas? Ouais, faut le faire faire. Ce que je dis ne sert à rien. Je viens de me faire. Y'a un creeper qui vient de m'éclater à la tronche. C'est pas du bien. Ok, donc déjà on a une micro-base de fête. Donc c'est pas mal. Microbrasserie, ça aurait été mieux, mais il y a déjà le corps et tout. Non mais ça travaille de ouf chez vous. Ouais. Ouais. Je vois, il y a un peu d'or. Je vais nous faire un casque chacun. Ouais. Il manque un d'or pour faire un casque, donc on aura un. Il y en a en bas. Il faut juste faire du récolte. Il fait jour là ou pas? Un de fer, merci pour le casque. Ça se lève, super. Il faut en faire les items. Tiens, Fab, je te file ça. Vas-y. Je vais chercher les moutes. Ah putain, il est toujours pas fini. Bon, je vais. Non, je vais garder mon os au cas où. Un chien quand même. Bonsoir. Ça me ferait chier. Moi, je veux des os, j'en ai pas. Même là-bas. Ah, y'en a de la. Du merde, de la pastèque. T'as vu? Ok, donc ça, c'est bon. J'ai un peu de pastèque moi donc merde. Moi j'aurais une question. Pourquoi un de blé et un. Quoi, carotte Non, c'est du blé aussi. Carré de. C'est où mes graines là? Je vais chercher des graines pour nourrir les bestiaux. Ok. Premier jour est déjà terminé quoi, quasiment. Putain, mais c'est ouf. Bon, par contre, on est tellement pas organisé, les gars, c'est une catastrophe. Comment ça? Bah, on a des minerais qui sont là, qui sont pas en train de fuir. Bah, on peut pas tout. En même temps, les fous ils sont pris, donc qu'est-ce que je fasse? Attends, j'ai fait le stream de Roux en même temps, comme ça je pouvais vous. Non, mais me dis rien, hein. Non, dis rien. On mate, toi.
Un jour. Quoi? Ah non, je mens pas, c'est vrai, c'est la fin du jour 1. Je sais pas si Auron il a mis ça. Auron il a mis menteur. Moi qui a mis. Ah bon? Oui, Auron il a mis menteur. Ah bon, ok, j'avais pas vu. Ah bon, je regarde pas le chat en fait. Du coup, attends, on est à combien là? On est à 26.